Nous voulons dire un grand merci ce soir, comme nous le faisons depuis le matin, à M. Jean-Pierre Leguet, qui tient aujourd'hui pour la dernière fois le grand ordre en tant que titulaire. Et il a été nommé titulaire émérite. Et nous aurons donc le privilège de le revoir, notamment à l'occasion de concerts. Nous le remercions pour 30 années au service de la liturgie, au service de cette cathédrale, au service de l'Église, au service de Dieu. Nous pourrons lui rendre hommage le dimanche 17 janvier à l'issue de la messe de 18h30. Nous vous invitons à l'ovationner. Pour terminer notre Eucharistie, avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Merci. Permettez, frères et sœurs, que j'exprime à Maître Jean-Pierre Leguet ma gratitude personnelle pour son service au grand orgue de la cathédrale Notre-Dame. J'en ai pas bénéficié depuis 30 ans, mais déjà depuis un certain nombre d'années quand même. Et j'admire toujours le travail très sérieux, très profond que Monsieur Leguet fait avec l'orgue pour soutenir la prière liturgique, entrée dans une intelligence de la couleur de chaque moment liturgique. Donc un très grand merci, et que puisse ce temps, peut-être ces années de retraite relative, être pour lui des temps aussi de repos et permettre de goûter d'autres aspects de la vie.